Mesdames et messieurs, bienvenue et bonsoir à cette première édition de cette troisième saison des figures marquantes de notre histoire qui sera pour cette saison consacrée à la Nouvelle-France. Une période absolument fascinante, la période des débuts, des origines, la période des coureurs des bois et des explorateurs, la période des pionniers et des filles du roi, la période des mystiques aussi, des missionnaires, une période cruciale de rencontre avec les Amérindiens. Donc, tout au long de la saison, je recevrai des spécialistes qui viendront nous présenter des figures marquantes, donc, de cette période fascinante. Alors, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être un mot sur le concept même des figures marquantes. Pourquoi nous attarder à des figures marquantes? Deux raisons essentiellement. La première, c'est que nous faisons le pari qu'à travers un personnage, un personnage est une excellente entrée, une porte d'entrée vers le passé. À travers les yeux d'un personnage, à travers ses valeurs, les idées qu'il portait, à travers aussi les événements qu'il a vécus, on peut reconstituer peut-être plus facilement le passé. On peut éclairer la toile de l'histoire et rendre ça beaucoup plus vivant, beaucoup plus attrayant, et donc y apprendre en même temps. Deuxième raison, qui a plus peut-être lié avec le présent, c'est que les figures marquantes, ce sont, oui, nous l'assumons, des figures que nous estimons être exemplaires. C'est-à-dire que, vous savez, aujourd'hui, on a tendance à avoir un peu peur des héros pour toutes sortes de raisons, en notre âge démocratique, notre âge d'égalité, âge aussi où la connaissance historique ne cesse de se perfectionner. On se rend compte que les héros avaient parfois des parts d'ombre, ils n'étaient peut-être pas parfaits. On sait tout ça. Mais malgré tout, il y a des personnages dans le passé qui se sont surpassés, qui sont allés au bout de leurs rêves, qui sont allés au bout d'eux-mêmes et qui peuvent aujourd'hui nous inspirer. C'est ça le pari des figures marquantes. Donc, on a sélectionné quelques-uns de ces personnages. On a essayé de vous proposer une palette assez large et comme ça, donc, de vous faire revivre certains événements du passé et vous faire connaître des personnages exceptionnels. Alors, commençons cette série par un couple qu'on considère comme étant le premier couple de colons de la Nouvelle-France, les premiers à s'être installés durablement en Nouvelle-France. C'était en 1617. Québec ne comptait que quelques habitants et encore, c'était souvent des engagés de passage. Ce couple, eh bien, c'est celui de Louis Hébert et de Marie Rollet. Lorsqu'ils prennent la décision de venir s'installer à Québec, c'est une décision assez téméraire. C'est une décision qu'ils prennent dans un certain brouillard, puisque Québec, à ce moment-là, Québec est à la fois un comptoir de commerce et un embryon de colonie. Mais on sait qu'à l'époque, l'État français n'avait pas complètement tranché la question. L'État français n'était pas fixé sur ce qu'il voulait faire de Québec. Il y avait d'un côté, évidemment, les marchands qui se seraient bien contentés d'un comptoir de commerce avec quelques engagés ou qui allaient cueillir les fourrures que leur amenaient les Amérindiens. Mais de l'autre côté, il y avait Samuel de Champlain et il y avait surtout les missionnaires qui voulaient des colons, qui voulaient une colonie, pour, ne serait-ce que pour offrir des exemples aux Amérindiens qu'on souhaitait évangéliser. Donc, pour connaître un peu mieux la vie de ce couple qui a décidé de tout vendre en 1617 au moment de venir vivre donc, à Québec, donc clairement n'avait pas l'intention de retourner en France, pour comprendre un peu mieux la vie de ce couple qui est arrivé avec aussi sa famille, alors nous avons décidé d'inviter un spécialiste, un éminent spécialiste de Nouvelle-France qui a consacré des travaux sur l'histoire économique, sociale, culturelle de la Nouvelle-France. Il a aussi publié avec un collaborateur un ouvrage sur la vie méconnue de Louis Hébert et de Marie Rollet. C'est le titre de l'ouvrage qui est paru chez Septentrion tout récemment. C'est un professeur émérite de l'Université Laval. Je vous prie d'accueillir M. Jacques Mathieu.
Bonjour. Bienvenue. Bonjour, Eric. Merci. Prends place. Alors, Jacques Mathieu, merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Alors, Jacques Mathieu, je le disais en présentation, moi, je vous ai beaucoup connu comme un historien de l'économie, un historien aussi de la société. Plus tard, vous avez fait des travaux en histoire culturelle. Spontanément, je pense, dans votre carrière, vous n'avez pas nécessairement beaucoup travaillé sur des individus ou des personnages. Mais là, vous avez consacré un livre à ce couple. Oui, qu'est-ce qui vous a attiré vers ce couple? Mais c'est d'abord le hasard. Oui. Je travaillais sur le promontoire de Québec, un peu l'histoire des plaines d'Abraham. Qu'est-ce qui s'est fait au tout début sur ce site-là? Et là, j'ai trouvé un personnage, un peu plus tard, hein, Michel Sarrazin, médecin reconnu, bon, qui avait fait de l'herborisation sur les plaines d'Abraham. Alors, je me suis dit, ben voyons. Et en continuant mes recherches, là, je suis tombé sur un ouvrage publié à Paris, en latin, en 1635, sur les plantes du Canada. Wow! Hey, c'était quelque chose. Et c'est un ouvrage magnifique. Puis je me suis dit, mais qui a pu envoyer des plantes du Canada à Paris pour que ça mérite de faire un ouvrage? Et de fil en aiguille, en éliminant les uns et les autres, ouais, tenant compte de des dates qui étaient concernées, bien, je suis arrivé à Louis Hébert. Alors, j'ai décidé d'approfondir mon personnage. Et cet ouvrage, est-ce qu'il y avait eu des éditions avant ou c'était la première fois qu'on publiait des... on faisait une espèce d'inventaire, quoi, dans cet ouvrage? Ah, c'était... Bien, il y avait eu des inventaires en Europe. C'est à l'époque, en Europe, c'est la naissance de la botanique. Mm-hmm. Et ce personnage-là voulait effectivement travailler éventuellement au Jardin du Roi, à Paris. Et c'est pour ça qu'il a voulu faire quelque chose de novateur. Et il a publié cet ouvrage sur les plantes du Canada. Il n'y avait strictement rien qui existait. Bon, oui, à l'occasion, une mention ici et là, mais rien de systématique, rien de développé qui avait été fait. Alors, vous nous avez donc proposé cet ouvrage, « La vie méconnue » de Louis Hébert et Marie Rollet, en collaboration avec Alain Asselin. Quelles sont les sources, hein, quand on veut écrire l'histoire d'un personnage? Est-ce que ces personnages ont laissé une correspondance, des journaux, des écrits qui vous ont inspiré, alimenté? Louis Hébert et Marie Rollet, des personnages discrets, ouais, comme c'est pas possible. Ouais. Qui en a parlé? Les missionnaires récollets. Gabriel Sagard, Chrétien Leclerc, un peu aussi les gens qui étaient avec lui à Port-Royal. Mais pour le reste, c'est dans les actes notariés que l'on a pu trouver de l'information assez précise sur ces personnages-là. Mm-hmm. Ce que j'ai trouvé très frappant dans votre livre, c'est que c'est d'abord qu'on est déplacé en 1678, la dépouille de Louis Hébert. Et là, tout de suite, je me suis posé la question, est-ce que c'est parce qu'on manquait de place et puis bon, ou est-ce que c'est que déjà, on percevait Louis Hébert et sa famille comme des pionniers, qu'on leur rendait un peu hommage? Ou comment ils ont été perçus comme des pionniers, oui. Qu'on a voulu un peu lui rendre hommage, oui. Mais surtout, c'est très lié à l'histoire des Récollets. L'histoire des Récollets ont été parmi les premiers missionnaires de Nouvelle-France, baptisés, évangélisés. Avant même les Jésuites, d'ailleurs. Avant les Jésuites. Et c'est ça le problème, c'est que quand les Jésuites sont arrivés, puis quand les Britanniques sont arrivés, les Jésuites sont revenus, mais ils n'ont pas voulu que les Récollets reviennent. Non. Donc, pendant 40 ans, les Récollets n'ont pas été ici. Alors, quand ils sont revenus, ils ont tenu à réaffirmer que c'est eux qui avaient beaucoup contribué à développer la Nouvelle-France. Ils ont, en somme, revalorisé leur action initiale dans le développement de la colonie. Et c'est pour ça qu'ils ont, d'une part, exhumé deux personnages, Pacifique Duplessis, qui était un laïc, un frère récollet, pour l'inhumer dans le nouveau bâtiment qu'ils avaient fait avec Louis Hébert, un bâtiment qui est devenu l'hôpital général. Et donc, c'est une démarche de valorisation. Et c'est un peu à ce moment-là qu'ils ont traité
Louis Hébert, de l'Abraham de la colonie, le père de tous les vivants et de tous les croyants, parce qu'il avait été le pionnier. Et en même temps, pour montrer leur rôle à eux, récoller exactement, dans la fondation. C'est sûr, oui. Est-ce qu'on a des traces, mais là vous dites qu'il n'y a pas de correspondance et de journaux, mais est-ce qu'on sait ce que Louis Hébert et Marie Rollet, est-ce qu'eux-mêmes se percevaient, on a des traces à l'effet qu'ils se percevaient comme les pionniers, les vrais premiers pionniers? Pas vraiment, non, parce que je dirais même la première terre qu'ils ont occupée, ben oui, occupe, Champlain dit « installez-vous là ». Et ça a pris 6 ans avant qu'elle soit officialisée, que leur propriété soit officialisée. Donc, ils ont reconnu qu'ils étaient des pionniers par leurs actions. Et nous, on le voit aujourd'hui par un certain nombre d'actions qu'ils ont faites. Mais ce sont des personnages comme les autres, à toute fin pratique. Oui. Alors, écoutez, je trouve que c'est important, avant d'entrer tout de suite dans la vie réelle de ce couple, je pense qu'il faut faire un détour par le mythe Louis Hébert, parce que ça a été un mythe dans notre histoire. Parce que après, on va voir qu'entre le mythe et peut-être la réalité, je pense que c'est ce que vous montrez, il y a un fossé, c'est à ça qu'on sert, les historiens en général, essayer de mettre les choses au clair. À partir de quand Louis Hébert va être l'objet de commémoration? À partir de quand on va commencer à le célébrer? Je parle de Louis Hébert parce que je pense que ça a pris du temps avant que Marie Rollet entre dans le portrait. Est-ce que je me trompe? Non, comme à l'époque, c'est sûr. Mais déjà à ce moment-là, écoutez, il y a un moment qui est extrêmement important, c'est le 300e anniversaire. Et c'est donc 1917 et 1918 parce qu'il y avait un petit pépin, là, l'atelier où on fabriquait le monument avait passé au feu. Alors, la fête s'est échelonnée sur 2 années. Et ça a été une très grande fête. Et c'est ça qui est resté dans notre mémoire, je dirais, jusqu'à il y a 4 ou 5 ans. Quel personnage on a fait, quelle réalité on a voulu illustrer à ce moment-là. Et je vous donne quelques exemples. En 1917, un sermon à la Basilique de Québec. Et il s'intitulait « Gardons l'héritage » et il a 2 volets. Les choses à éviter. Alors, on est en 1917, je le rappelle. La recherche de la vie facile, des salaires tentants, des emplois et postes de tout repos, les amusements variés des centres urbains. En somme, pensez-y, là, c'est un sermon par un prêtre. En somme, le premier péché, c'est celui de l'émigration intérieure qui dépeuple les campagnes. À quoi s'ajoute, bien sûr, le luxe, l'alcool et l'esprit de chicane. Oui. Alors, il faut plutôt mettre de l'avant l'esprit d'économie et de travail, car la terre rend à proportion des soins qu'on lui donne. Elle laisse crever le paresseux, elle nourrit le laborieux. Donc, on voit qu'on est dans le contexte d'industrialisation et d'urbanisation. Et l'élite religieuse et politique veut préserver le mode de vie traditionnel très centré sur l'agriculture. C'est intéressant, vous disiez 1917, puisque on sait maintenant par les chiffres que c'est durant cette décennie-là que le Québec devient majoritairement urbain. Exactement, exactement. C'est durant la décennie. Oui. Donc, vous parlez d'immigration vers les villes, mais ça pouvait aussi être immigration vers les États-Unis. Oui, qui avait commencé un peu plus tôt. En effet. Mais en même temps, comme autre phénomène extrêmement important, la femme acquiert une place un peu liée à la guerre, mais pour d'autres raisons. Et l'année suivante, il y a une très, très grande fête à Québec au moment où on dévoile le monument de Louis Hébert et Marie Rollet. Et là, il y a un discours qui est prononcé par une historienne de Montréal, d'ailleurs, Marie-Claire Davelui. Pour moi, c'est une pièce d'anthologie. Écoutez, je vous répète ce discours. On vous écoute. Une voix de femme s'élève en ce moment pour célébrer les mérites de Marie Rollet, la première d'entre les Canadiennes. Nouveau signe d'étant, dira-t-on? Pourtant, non. Le sentiment patriotique a toujours eu des droits à nul autre pareil. Il a justifié les attitudes les plus téméraires. Qu'importe, en effet, les lèvres d'où s'échappe
un cri d'enthousiasme, d'admiration et de piété attendrie. Si le cri est sincère, il peut être lancé sans crainte. L'âme accueillante de la patrie sera tout aussi indulgente. Et on est devant 1000 personnes, et elle ajoute, « Et vous aussi, je crois. » Imaginez hein, cette femme qui vante les mérites de Marie Rollet devant une foule de 1000 personnes à l'époque. C'est tout à fait exceptionnel. Et j'ajouterai que cette historienne est la seule à avoir mentionné que Marie Rollet s'était remariée ici à l'époque. De tous les discours qu'il y a eu, là, des... Elle s'est remariée pas parce qu'elle s'est divorcée, hein, parce qu'elle est devenue veuve. Précisons-le, parce qu'elle était veuve. Oui, oui, tout à fait. Oui. Et qui était derrière cette première grande commémoration? On ne va pas trop s'allonger là-dessus. Il y a eu plusieurs personnes, mais disons, le principal, ça a été Azari Couillard-Després, qui était un prêtre et qui était un descendant direct de la première famille. Et c'est lui qui a publié une petite vie de Louis Hébert, qui a aussi produit un fascicule, 32 pages, et 25 000 exemplaires. Hein? Mm. Aujourd'hui, on publierait un livre de 25 000 exemplaires ou un fascicule, on serait aux anges. Ouais. Mais, alors, c'est lui qui a été beaucoup au départ de ça, et je vous dirais que ça a été un grand succès parce que effectivement, toute l'élite politique et l'élite religieuse, hein, c'est le cardinal Bégin qui était le président d'honneur, le président du Sénat a fait partie, le ministre de l'Agriculture. Bon, il y a un comité d'adhésion extrêmement grand et ça a été un succès absolument formidable. Et dans le fond aussi, ça montre un peu comment on se représentait la Nouvelle-France. Ah, tout à fait, c'est sûr. Donc, une vision de Nouvelle-France paysanne et... Oui, et je dirais, bien, les gens qui ont les cheveux de ma couleur là, s'en souviennent, l'importance de la terre paternelle. Mm. Hein? C'est donc la ferme rurale autosuffisante avec la famille et de là aussi toutes les stratégies familiales qui en découleront dans les successions et l'appartenance des terres et le développement de l'agriculture. Est-ce que, là aussi, rapidement, mais est-ce que par la suite, là, au cours du 20e siècle, est-ce que la figure de Louis Hébert et de Marie Rollet, ces figures-là, vont rester là, dans, par exemple, les fameux défilés de la Saint-Jean-Baptiste? Est-ce qu'ils reviennent constamment? Est-ce qu'ils sont présents? Ils ne sont pas très présents, honnêtement. Non. On garde l'idée de la première famille, on garde l'idée du premier agriculteur. On en parle dans les enseignements à l'école. Mais on ne fait plus de grandes célébrations à ce moment-là. On a l'impression, par exemple, en 2017, hein, c'était quand même le 400e, donc vous avez parlé d'une espèce d'effervescence autour du 300e, mais le 400e, est-ce que je me trompe, passait un peu sous le radar? Bien, je pense que vous vous trompez. Ah bon, ça se peut, je n'ai pas été assez attentif. Ou je t'ai pas invité. je dirais, tu sais, difficile de comparer une ville et une famille au point de départ. Mais aussi, je dirais... En tout cas, pour quelqu'un qui n'est pas de Montréal, là, le 375e, il l'a vu dans les médias. Mm. Ça a été médiatique. C'est vrai. Pour la famille Hébert-Rollet, ça a été intimiste et approfondi. Des conférences, il y en a eu en quantité. Le comité organisateur de la Commission franco-québécoise des lieux de mémoire commun, avec les sociétés historiques, avec les sociétés de généalogie, a eu quantité de conférences, même à caractère international et scientifique, avec faculté de pharmacie de l'université. Et j'ai aussi produit une petite exposition itinérante. Elle a circulé, elle a fait une trentaine de bibliothèques locales. Et des étudiants, des écoliers, je dirais, ont été invités à la voir et ça a donné lieu à des échanges. Et donc, ça a été une approche, je dirais, intimiste et participative. Et en ce sens-là, ça a été plus loin. Et je vous dirais même, un, ils ont fait trois modèles là, de cette exposition-là, trois réalisations, dont une qui circule en France maintenant, actuellement. Bon. Alors, donc, oui, ça a été très, très différent des célébrations du 375e de Montréal, mais je pense que ça a débouché sur une participation intimiste un peu plus profonde chez ceux qui ont été touchés. C'est ça, donc une forme de curiosité pour ces pionniers, mais pas sur le mode d'une instrumentalisation patriotique, là, exact, comme en 1917. Maintenant, parlons de l'histoire vraiment, flashback. Oui. Ces deux personnes, Louis Hébert et Marie Rollet,
vont grandir. Hein? Donc, on vient de parler de ce mythe de l'agriculteur, de l'habitant. Maintenant, ces deux personnages vont grandir dans une France à la fin du 16e siècle qui est vraiment bouleversée. Parlez-nous-en, et puis après ça, on va parler un peu plus de Paris, mais parlez-nous du climat qui règne en France à ce moment-là. Bien, on le sait, hein, puis on l'a vu un petit peu à petite école, ce sont les guerres de religion. C'est 30 ans de guerre, et Paris même a été affecté par ces guerres de religion. Et Louis Hébert avait 15 ans, là, quand il y a eu le siège de Paris. Oui, hein? Parlez-nous un peu. Pendant deux ans, là, la ville de Paris est affamée, là. Parce qu'on empêche l'entrée de nourriture. Et ça va à tel point que cette ville de 220 000 habitants, on compte 30 000 morts, dont 10 000 morts de faim. Et la rue sur laquelle la famille de Louis Hébert réside, c'est la rue d'entrée des militaires, parce qu'ils sont tout près du palais du Louvre. Donc, une période... Parce que la guerre, elle se fait un peu partout en France. Là. C'est une guerre civile. C'est une guerre civile, là, et qui oppose beaucoup les catholiques et les protestants, parce que celui qui devrait être l'héritier du trône est un protestant. Dieu sait qu'on n'en veut absolument pas. Et les façons de faire là, sont très violentes à l'époque, beaucoup. Et la famille de Louis Hébert est plutôt du côté catholique. La famille de Louis Hébert est du côté catholique pour plusieurs raisons. Dont un des frères de Louis Hébert, qui était un peu plus âgé que lui, est devenu membre d'une confrérie, d'une communauté religieuse très, très rigoureuse là, à Paris même. Là. Et jusqu'à quel point cette espèce de période de déchirement a pu peut expliquer aussi la décision que prendra plus tard? Est-ce que ça a pu jouer, vous pensez? Bien, ça a joué énormément parce que il faut remonter un petit peu en arrière. Le père de Louis Hébert gérait 9 maisons en plein cœur de Paris, hein, à 200 mètres du Palais Royal. C'est quelque chose. Alors, à cause de la guerre, le père a fait faillite, a été emprisonné pour dette pendant 2 ans. Alors, imaginez donc, difficultés financières pour quelqu'un qui possédait maison et déchéance sociale, hein? Pour ceux qui connaissent un peu la France, là, quelqu'un qui possède 9 maisons puis qui est emprisonné pour dette, là, on peut savoir que socialement, ça ne va pas très bien. Et Louis Hébert lui-même a réussi à faire ses études, a tenté de s'installer et, écoutez, il a acheté, et c'est dans l'acte notarié, une masure non enclos de mur. Et en 10 jours, il signe 4 contrats devant 4 notaires différents, en donnant 4 adresses de résidence différentes. C'est vous montrer l'état de difficulté, l'état de précarité dans lequel il vivait avant de venir... Là, on parle de quelle année? L'achat de la maison, c'est 1602. D'accord. Oui. Maintenant, c'est ça qui est frappant, c'est qu'on a ce mythe du premier agriculteur... Mais vous nous décrivez un personnage qui vit en plein cœur de Paris. C'est un urbain. Oui, tout à fait. Tout à fait. À 200 mètres du Louvre, et il a passé toute sa vie là. Mais c'est sûr qu'il n'y a aucun talent d'agriculteur, je pense, mais il a fait des études d'apothicaire. Voilà, expliquez-nous. Les apothicaires de l'époque, c'est les pharmaciens d'aujourd'hui, c'est le nom, mais ça ne faisait pas exactement la même chose. À l'époque, 80 % des médicaments sont fabriqués à partir des plantes. Et ce sont les apothicaires qui apprennent à fabriquer des médicaments. Alors, qu'est-ce qu'on utilise? Les racines, la tige, les feuilles, les fleurs, les fruits. Puis après ça, comment est-ce qu'on prépare le médicament? On l'écrase, on le fait bouillir, bon, il y a toutes sortes de procédés. Puis après ça, il faut connaître le dosage. Donc, c'est des années, c'est 5 années d'études très sérieuse, sous la supervision d'un maître, à apprendre justement le fonctionnement des plantes et les usages et les vertus et les qualités des plantes. 5 années, donc. 5 années d'études très sérieuses, et c'est surveillé, c'est contrôlé par une corporation. Les corporations de métier à l'époque, là, c'est quelque chose. Tu ne peux pas
ouvrir une boutique puis te déclarer marchand ou bourgeois ou apothicaire. Non, non. Il faut que tu aies eu tes lettres patentes à l'époque, mais ils appelaient ça un chef-d'œuvre, pour obtenir le titre de maître et obtenir le droit d'ouvrir boutique. Et est-ce que ça fonctionne assez bien pour lui une fois qu'il a cette formation? Est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il gagne bien sa vie? Bien, c'est là le problème pour lui. Malheureusement, son père, qui a fait faillite, bien, n'a plus beaucoup d'argent pour l'aider. Il achète cette maison, qui est une mesure qu'il ne paye pas cher, mais qu'il essaie de faire réparer et organiser, aménager pour faire une boutique. Mais il faut aussi s'équiper d'instruments, hein, avoir un alambic pour préparer les médicaments et tout. Et ça, c'est très coûteux. C'est aussi coûteux que la maison. Et on a la preuve que ça ne réussit pas. De quelle façon on a cette preuve-là? Par le contrat d'engagement qu'il signe pour venir à Port-Royal. Écoutez, il reçoit 100 livres, la même rémunération que des hommes de métier qui ne savent même pas signer. Hein? Il a fait 5 années d'études avancées, là, après le primaire. Il peut même lire le latin, là, pour préparer les médicaments. Alors, donc, hein, il accepte une façon, là, de sauver ce qu'il pouvait faire de la famille parce qu'il était déjà marié. Mais là, justement, vous êtes en train de nous dire que finalement, pour Marie Rollet, c'était pas le meilleur des partis. Bien, il faut D'où vient-elle, Marie Rollet? Quelles sont ses origines? Est-ce qu'elle était assez éduquée? On sait qu'elle était éduquée, justement, par les actes notariés, par la qualité de sa signature, par ce qu'elle a fait après coup en Nouvelle-France. Bien, écoutez, c'est juste l'été dernier qu'a été trouvé à Paris le document qui montre qu'elle était veuve quand elle a marié Louis Hébert. Tout indique qu'elle n'avait pas eu d'enfant avec ce personnage qui était vivait. Donc, elle a été deux fois veuve, finalement. Oui. C'est assez exceptionnel, quand même. Ah, quoique, ben, à cette époque... Hein, ben, il faut faire attention, ouais, parce que vrai. La mère de Louis Hébert, c'était son troisième mariage, là, avec Nicolas Hébert. Oui. Hein, elle s'était mariée deux fois. On n'avait même pas le temps de divorcer. Hein? Ça se passait ben, très vite. La médecine de l'époque là, est assez rudimentaire. Oui, assez rudimentaire, malgré les talents d'apothicaire de la confrérie ou de la corporation. Qu'est-ce qu'on sait de la personne de Marie Rollet? Donc, on sait qu'elle était plutôt éduquée. Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce que les documents ont conservé sur sa personnalité, cette personne? Une personne qui avait un esprit de décision. Écoutez, quand Louis Hébert a quitté Paris pour s'en venir à Port-Royal, ça faisait 6 mois qu'il était parti, elle a vendu leur résidence à Paris. Hein, puis il n'y avait pas de téléphone pour communiquer, est-ce que je peux, là? Oui, elle avait fait signer au départ un document notarié l'autorisant à faire les transactions qui seraient pertinentes. Mais elle vend la maison. Et on a l'acte notarié de vente. Elle la vend 10 fois plus cher que ce qu'elle avait payé. Alors, est-ce qu'elle a négocié? Probablement. Mais elle la vend à la reine Margot. Hein? C'est que la reine Margot avait obtenu du pape l'annulation de son mariage. Puis là, en négociation avec le roi, bien, il lui avait permis de revenir s'installer à Paris. Et là, elle a acheté toute une série de terrains pour construire son château et puis ses jardins, dont celui de Louis Hébert. Et c'est donc Marie Rollet, là, toute seule, qui se débrouille. C'est presque un coup de spéculation foncière. Mais tant mieux pour le couple. C'est quand même une rationalisation tout à fait importante. Et puis, bon, ben, ces deux mariages, hein, c'est aussi manifester son esprit de décision, son autonomie, la vente. Mais en même temps, elle est souvent seule. Parce que justement, le premier voyage... La première, parce qu'on pense que peut-être Louis Hébert est arrivé pour la première fois en 1617. Non, il vient pour la première fois en Amérique, dans le Nouveau Monde, en 1606. En 1606, à Port-Royal. Port-Royal. Oui. Donc, il vient seul à ce moment-là. Il vient seul, évidemment, mais Port-Royal est en,
On est quand même au tout début, là. C'est ça. Ouais, mais justement, il vient comme engagé à ce moment-là. Il vient comme engagé, mais il est en même temps le second... Ah, c'est toute une histoire. Ouais. Il est le second de celui qui veut développer une colonie. Mmh. Et pour bien comprendre, là, Louis Hébert, catholique, va travailler pour Biencourt de Poutrincourt, qui veut créer une colonie catholique à Port-Royal, mais il s'engage auprès du protestant du Godemont pour venir ici. Là, on voit comment c'est complexe, cette affaire-là, et comment, quand même, ils ont réussi à s'organiser. Mais il n'en reste pas moins que Marie Rollet, avec déjà un ou deux enfants, se retrouve toute seule à Paris. Mm-hmm. Elle se débrouille quand même. Et puis, et ça va durer après coup. Il va y avoir encore d'autres périodes où elle est pratiquement seule, avec un ou deux enfants. Mais ça, en même temps, c'est parce que ce que ça signifie, c'est qu'il venait vraiment comme engagé. Il venait de façon plus temporaire. Ça devait être assez clair pour lui. Et quel était son rôle à ce moment-là, quand il va en Acadie, au fond, à Port-Royal? Son rôle, il est le second en importance, hein, pour plusieurs raisons. Quand il travaille pour Biencourt de Poutrincourt, c'est lui qui l'a engagé. Il est un peu son procureur. Mais l'année d'après, en Acadie, le grand patron, il ne vient pas. C'est son fils qui vient. Mais à la manière française, je dirais, c'est le fils qui est le patron. C'est le fils qui décide de ce qu'il va le faire. Et le fils, il a 20 ans. Puis Louis Hébert, il en a 32. Et donc, l'un est un novice, il ne connaît pas grand-chose, mais l'autre est quelqu'un de mature, de sérieux, de raisonné. Et donc, il joue un rôle très important. Là. Il va même jouer un rôle de médiateur avec les communautés amérindiennes, avec les communautés religieuses aussi, dès ce moment-là. Est-ce qu'on sait s'il développe des rudiments de la langue, des langues amérindiennes? On ne sait pas, honnêtement. Non. D'accord. On sait qu'il a soigné des Amérindiens. On sait qu'il a été près des Amérindiens. Oh, il y a des épisodes formidables. Il est devenu très ami du grand chef amérindien. Quand on dit grand chef, là, le grand chef qui était très jaseux disait qu'il avait connu Jacques Cartier. Ouais. Mais en tout cas, même Berthoud, il avait accepté d'être baptisé. Et quand il est pour mourir, il demande d'être inhumé parmi les siens. Puis là, les Jésuites, il n'y a pas question. On ne peut pas enterrer un catholique à côté de protestants. Il faudrait exhumer tous les autres corps qui sont là. Mais finalement, là, le même Berthoud a accepté d'être inhumé dans le cimetière catholique. Et puis, Louis Hébert était très, très proche de lui. Bien, évidemment, à cause de la connaissance de la nature puis de la connaissance des plantes. Et il y a eu un autre phénomène qui a joué aussi pour les rapprocher. Le fils, un des fils de même Berthoud, un jour, était malade et sentait venir la mort. Et à l'époque, dans ces nations amérindiennes, si tu es pour mourir, tu t'isoles. Il ne faut surtout pas perturber la communauté. Alors, il s'était isolé pour mourir tranquille. Et là, Louis Hébert est informé, il va le voir, il le guérit. Alors, imaginez... C'était pas dans les plans. C'est pas... Non, mais les Jésuites ont crié au miracle. Ouais. Bon, mais, bien sûr, connaissaient des remèdes qui ont pu le guérir de cette nouvelle maladie. Mais il y a un épisode qui a suivi ça, qui est absolument exceptionnel. C'est qu'un des frères de celui qui est décédé, le fils aîné, est venu remercier Louis Hébert et les religieux, les dirigeants de la colonie. Il est venu avec ses deux femmes. Oh, les Jésuites ont dit, c'est pas de même que ça marche, la religion, non, là. C'est ça, c'est pas comme ça qu'on monnaie. Non. Alors, il y a eu un épisode absolument terrible où la communauté française qui vivait à Port-Royal a été pendant 4 mois privée de tous les services religieux. Les sacrements, la messe, la confession, pendant 4 mois. Pour les punir. Oui. Pour dire, si on veut faire des catholiques, là, il faut prendre les moyens, il faut les former, puis on ne baptise pas en disant « c'est une bonne personne ». Non, non, il faut vraiment qu'ils sachent. Alors donc, il va revenir en 1611, plutôt brièvement, mais je voudrais tout de suite aller à 1617. Alors, quand le couple prend-il la décision, dans quel contexte personnel de vie et qu'est-ce que Samuel de Champlain, qui s'active à ce moment-là pour Québec, quel rôle a-t-il joué dans cette venue
du couple à Québec. Il est évident que Louis Hébert et Samuel de Champlain se connaissaient. Ils avaient vécu ensemble à Port-Royal. Mais assez curieusement, hein, Samuel de Champlain, dans son récit de vie, là, de 1617, rien de spécial. Il n'en parle pas. Que... C'est curieux. Non. Mais après coup, évidemment, Louis Hébert aura un petit problème avec sa maison. Puis là, ben, c'est Samuel de Champlain qui va l'aider. Mmh. Et quand Marie Rollet... Quand la femme de Samuel de Champlain va venir, il est évident qu'entre les deux femmes se sont nouées de très bonnes relations. Et assez rapidement aussi, les objectifs de colonisation les ont associés dans l'entreprise de la Nouvelle-France. Donc, on peut penser quoi, que c'est Champlain qui a été voir son ami Louis Hébert en lui disant ben, « il y a peut-être des possibilités ». Qu'est-ce qu'on sait de l'origine du projet? Bien, je dirais que ça commence peut-être par presque une rupture, parce que Louis Hébert était demeuré le procureur des Biencourt de Poutrincourt. Mm-hmm. Mais là, il y en a un qui était décédé. Ça avait fait un énorme procès de succession où la moitié de l'argent était retourné à sa famille. Et il y a eu un tout petit épisode de 360 fourrures, je pense, qui avait été sur un autre bateau qui appartenait pas à la compagnie. Ça a fait un procès... Bien, ça a été tellement loin, là, puis le procès s'est déplacé dans différents ports de France, puis jusqu'à Paris, que moi, j'ai compté là, 75 extraits de procès. Mmh. Et donc, je pense que Louis Hébert s'est rendu compte qu'il n'y avait plus d'avenir en étant le second du jeune Biencourt qui tentait quand même d'essayer de continuer à faire du commerce à Port-Royal. Mais là, on lui offrait... Hein, d'aller à Québec. Et Québec avait déjà pris une certaine notoriété de développement. Il y avait déjà quand même 40-50 hommes là, qui vivaient à Québec, du commerce, bien sûr, mais quand même, c'était quelque chose. Et il y avait encore des projets. Dieu sait que Champlain avait fait beaucoup d'explorations. Champlain gardait encore le projet de trouver la route de la Chine. Et puis, c'est dès l'année suivante que Champlain va déposer son grand projet de développement de la colonie, hein, un projet de 5 millions de livres là, et qui identifie toutes les richesses et toutes les ressources. Et donc, on peut croire que oui, là, il y a eu une sorte d'entente entre les personnes. Mais l'entente entre les personnes, ce n'est pas l'entente avec la compagnie qui dirige. Oui, c'est ça. Ça, c'est autre chose. Parce que là, il signe un contrat avec cette compagnie qui avait le monopole des fourrures à l'époque. Oui. Et ce contrat prévoyait quoi qu'ils étaient au départ désengagés, un peu comme les autres. Oui, tout à fait. Ils s'étaient désengagés pour la compagnie. Ils recevaient l'équivalent d'un salaire pendant 2 ans. Ils devaient soigner gratuitement et il devait remettre les surplus de l'agriculture à la compagnie. Mais c'est là où Alain Asselin a été tellement riche d'informations et de nouveautés. Il a attiré mon attention là-dessus. Dans le contrat, quand on parle de l'agriculture, qu'est-ce qu'on mentionne? Le maïs et la nicotiane. La nicotiane, c'est le tabac, là. Les deux produits les plus utilisés dans le commerce des fourrures. Donc, que la compagnie, par rapport à la personne qu'elle engage, dise, bien, là, tes produits de commerce, là, bien, c'est à moi qu'ils vont revenir. Alors, c'est... Et quand on analyse très attentivement le document, bien, on promet 200 écus pour 2 ans, puis on donne 300 livres. Donc, c'est l'équivalent, puis on ajoute un petit montant. Et donc, c'est très, très... Le premier contrat avec la compagnie, là, je pense qu'il est relativement correct. C'est après qu'il va être dénoncé, et pour toutes sortes d'autres raisons. Mais chose certaine, même s'ils sont, on pourrait dire, engagés au début, ils signent un contrat avec une durée déterminée, on sait qu'ils vendent tous leurs biens en France. Donc, eux, dans leur tête, ils déménagent. Ah, c'est clair et net. C'est clair et net. Ils n'ont plus de... Ils n'ont plus de pied à terre en France, ils n'ont plus de ressources, ils partent avec armes et bagages, comme on dit. Mais ce qui est quand même incroyable, comme j'ai un petit peu essayé j'ai insisté là-dessus dans mon introduction, c'est-à-dire que eux ne savent pas c'est quoi l'avenir de la Nouvelle-France. On ne peut pas, à ce moment-là, avoir une certitude sur ce qu'est l'avenir de Québec.
Non, mais quand même, Louis Hébert connaissait le nouveau territoire, avait démontré qu'il pouvait avoir des relations soutenues avec les Amérindiens. Pourquoi? Hein? Il dit, Louis Hébert, pendant 5 ans, Louis Hébert a étudié les plantes. Mm. Qui connaît la nature ici pour se nourrir et pour se soigner aussi? Les Amérindiens ont une expérience millénaire des richesses de la nature. Donc, on comprend pourquoi ils sont devenus très rapidement, très près l'un de l'autre et qu'il y a eu possibilité, évidemment, de développer ici. Facilement. Alors, dans la mythologie aussi de Louis Hébert, d'ailleurs, un mot sur leur traversée est épouvantable. Oui, oui. Bien, on apprend à la petite école hein, que la traversée de l'Atlantique, à l'époque, là, ça fait souvent des problèmes. La leur a été très particulière. Elle a duré 3 mois. 3 mois. Et pensons-y, là, en plus, là, ils ont 3 enfants là, hein, qui ont quelque chose comme 6, 12 et 14 ans. Là. Alors, mais des enfants qui font la traversée atlantique, à l'époque, là, il y en a comme jamais eu. Et, bien sûr, qu'est-ce qui s'approche d'eux un jour? Une montagne de glace, c'est les termes qu'ils utilisent. Alors là, c'est la panique parce qu'ils sont incapables de s'en détacher. Il y a un prêtre à bord. Alors le prêtre confesse les adultes, les bénit, et ce qui fait que ça a été propagé et retenu par tellement de monde, c'est que Marie Rollet élève son fils par l'écoutille pour qu'il reçoive la bénédiction comme tous les autres. Et ça imprégner la mémoire des personnes. Mm. Peut-être aussi les filles qui ont dit qu'ils avaient peur de finir dans le ventre d'un poisson, mais quand même. Ouais, alors, ouais. C'était une traversée épouvantable et ils ont eu une autre expérience du territoire quand ils sont arrivés, ils sont débarqués à Tadoussac. Hein. Le lendemain matin, ils vont à la messe et le prêtre est accompagné de chaque côté de lui de 2 hommes décemment vêtus qui portent un rameau pour éloigner les mosquites. J'ai dit moustique, c'est volontaire, c'est comme ça que c'est écrit dans le document. Mais évidemment, c'est les moustiques. Hein? Ouais, alors, un apprentissage du nouveau continent assez particulier pour cette famille. Tous les documents de l'époque, je pense à Pierre Boucher, dans son Histoire véritable et naturelle, parle des maringouins. C'est quelque chose qui insiste énormément sur l'omniprésence des moustiques qui incommode beaucoup les Européens. Mais dans la mythologie de Louis Hébert aussi, il y a cette idée qu'il amène dans ses bagages des semences, des choses qui n'existent pas en Amérique du Nord. Oui. Mais est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est Champlain? J'aimerais ça avoir une preuve absolue. Mm. Parce que c'est dès le printemps suivant, 1618, qu'on trouve autour de l'habitation de Champlain là, toutes sortes de plantes alimentaires. Puis Dieu sait que Champlain avait la très grande préoccupation de nourrir les gens qui travaillaient pour lui. Là. C'était une grande préoccupation. Alors là, on trouve beaucoup de plantes qu'il a fait venir, qu'il a ramenées. Est-ce que c'est Louis Hébert, peut-être, et peut-être les deux, et qu'on trouve autour de l'habitation, des choux, raves, melons, courges, citrouilles. Alors, il y a un mélange là, de produits alimentaires et médicinaux assez importants. Vous nous avez parlé des difficultés qu'il a eues avec les gens qui étaient responsables, les responsables de l'Acadie, de Port-Royal. Les relations avec Champlain ou avec les Récollets, comment se passent-elles? Les relations avec Champlain se sont été très, très correctes. Avec les Récollets aussi, plus même. Un jour, les Récollets décident de, puis Champlain l'appuie et est complètement d'accord avec ça, décident de protester contre les menées des compagnies de commerce. Parce que, je dirais, c'est l'opposition entre deux idéologies absolument, de développement. Ouais, ouais. Il y a ceux qui veulent faire du commerce, on fait du commerce, on va s'enrichir comme font les Espagnols dans le Sud, puis les autres, et surtout les religieux, on va coloniser. Ouais. Coloniser pour stabiliser les communautés amérindiennes et pour les évangéliser, parce qu'on ne peut pas les évangéliser si on se promène comme des nomades. Alors, il faut prendre le temps de les rencontrer, de les informer de la religion. Et c'est vraiment là, une idéologie de développement qui est très, très forte et qui va entraîner là, des documents, on produit des documents pour dénoncer
l'action des compagnies. On le fait des fois de façon un petit peu arbitraire, là, parce que c'est là qu'on leur reproche le contrat d'engagement, mais c'est plus la même compagnie qui est là. Là. C'est, on le fait contre la compagnie parce que c'est les deux camps, c'est des protestants. Alors là, on charge à fond de train. Puis, mais autrement dit, ces témoignages-là, ou cette action-là, tente à montrer que Hébert adhérait au projet colonisateur. Oui, 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 bien, il était le modèle de colonisation en étant venu avec sa famille. Et dans l'acte aussi de dénonciation, bien, c'est lui qui est le procureur. Je rappelle, c'est le plus instruit et le plus mature. Il a près de 40 ans quand ça se produit, ça. Alors, oui, c'était une personne clé dans cette aventure de développement d'un nouveau territoire au service de la France. Ouais. Alors, une fois sur place, après son contrat d'engagement terminé, là, il s'installe pour de bon. On lui cède, je crois, une terre, un lopin de terre. Oui. Est-ce qu'il sera tenté, comme ce sera le cas de bien d'autres Français par la suite et de Canadiens plus tard, à la fin du 17e siècle, d'aller faire un peu de traque de fourrure, d'aller dans les terres? Est-ce qu'il a fait des voyages? Est-ce qu'il a accompagné parfois Champlain ou des missionnaires un peu dans les terres, dans les pays d'en haut? Je pense qu'il a fait des voyages, effectivement, mais pas pour faire du commerce. Pour mieux reconnaître les richesses de la nature. Hein? Cet éventail de nouvelles plantes là, qu'il ne connaissait pas et qu'il voyait parfois les Amérindiens s'en servir pour soigner des maux ou des blessures qu'ils avaient. Je pense que c'est toujours demeuré sa préoccupation principale. Et il a fait quelques voyages, d'autant plus qu'il avait déjà son beau-frère qui était présent avec lui, là, qui avait fait la traversée pour s'occuper un peu de la terre. Très tôt aussi, sa fille aînée, la fille aînée s'est mariée puis elle est décédée en couche, mais la deuxième, Guillemette Hébert, s'est mariée en 1621 avec un personnage qui avait des compétences parce qu'il était charpentier de navire et il œuvrait à Québec. Et ils ont construit leur maison. Là, elle était adjacente à celle de Louis Hébert. Les deux maisons étaient une à côté de l'autre. Et si vous allez à Québec, là, vous pouvez aller dans la cour du petit séminaire de Québec et vous allez voir au sol les traces, là, qui indique où étaient, c'est de grandes barres blanches, là, où étaient les deux maisons de Louis Hébert et celle de Guillaume Couillard, l'ancêtre d'une personne qui fait... qui fait de la politique. Oui. Il le rappelle régulièrement, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Alors, là, vous m'avez distrait. cette émission est atemporelle. On pourrait dire que c'est un sédentaire. Et c'est pour ça qu'il est un héros parfait pour un certain Canada français qui invite les Canadiens français à rester sur la terre, rester fidèles à leur vocation. C'est plutôt un sédentaire. Si on le compare avec un autre personnage qui circule à l'époque, qui est Étienne Brûlé. C'est l'anti-Étienne Brûlé de l'époque. Tout à fait, un sédentaire. Et c'est caractérisé, ça a été voulu. En 1623, on lui concède officiellement ses terres. En 1626, on en fait des terres nobles, des terres nobles. Et puis, on y ajoute une autre terre, le fief de l'Espinay. C'était pas rien, là. Un quart de lieue de large par un lieue ou trois lieues de profondeur. Mais c'était immense. Et même sa terre sur le promontoire de Québec aussi était énorme. Elle passe de la côte de la montagne, puis elle englobe là, jusqu'à l'Hôtel-Dieu de Québec. C'était une terre, on voit sur les cartes de l'époque, c'était une terre immense. Et le fait qu'on lui concède officiellement, signe de sédentarité, signe de ce que l'on veut faire de cette colonie, et qu'on en fasse une terre noble à un moment donné en disant « tu peux en concéder des parties à d'autres personnes qui vont aussi œuvrer à développer le territoire, à le coloniser, à vivre de l'agriculture. » Il est assez peu connu, on dirait que dans notre mémoire collective, c'est pas entré. Quand on pense aux rivalités avec les Anglais, on pense à 1690, on pense évidemment à la conquête, à la guerre de la conquête, mais on oublie qu'il y a eu un petit épisode où des Anglais, les frères Kirk, ont mis la main sur Québec. Et pendant cette période-là, Louis Hébert et sa famille restent à Québec. Qu'est-ce qu'on sait? Louis Hébert est décédé.
Oui, Louis Hébert est décédé, mais sa famille va rester. En 1627, donc deux ans avant l'arrivée des Cœurs. Mais sa famille va rester, oui. Mais non seulement sa famille va rester, mais c'est là. Marie Rollet va se remarier quelques mois avant la présence des Cœurs, mais elle va négocier avec les Cœurs le fait qu'elle reste ici. Il est évident qu'elle n'avait probablement plus aucun lien solide avec la France et avec Paris. Il n'en reste pas moins qu'elle a négocié la possibilité de garder sa maison, la possibilité de garder le fruit de ses productions agricoles, et ça a même été jusqu'à dire, mais si tu veux partir l'année prochaine, c'est ton choix, tu es libre. C'était quelque chose, cette négociation-là. Et même qu'il est arrivé que un de ses enfants a eu un enfant, et c'est un Kirk qui a été parrain. Alors, bon, mais ils n'étaient pas tous protestants, mais quand même. Et justement, sur la mort de Louis Hébert, qu'est-ce qu'on sait? Oh. La mort de Louis Hébert, elle a fait l'objet de témoignages très particuliers. Le père Sagard dit de Louis Hébert, quand il est décédé, il a dit qu'il était heureux de décéder parce que déjà des Amérindiens avaient été convertis. Et donc, la satisfaction que son œuvre avait laissé des choses positives. Après ça, il a dit à sa famille de continuer à aimer les Amérindiens. Puis après, il les a bénis et il est mort. Le père Chrétien Leclerc, lui, va plutôt dire que 3 jours avant de mourir, il est passé chez nous pour demander d'être inhumé dans notre cimetière. Mais je préfère Champlain qui a glissé sa glace puis il est mort. 3 versions de l'histoire. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il a glissé sa glace. Mort accidentelle, oui, bête, probablement. Oui, oui, oui. Ah oui. Bon, alors là, c'est un peu triste pour lui et pour nous. Oui. Mais par la suite, Marie Rollet donc, va rester. Vous nous avez parlé de sa négociation avec les frères Kirk. Avec qui elle se remarie et quel est son destin? L'important, c'est que c'est tout le réseau familial qui demeure là avec elle. Ses enfants, Guillaume, qui va se marier aussi éventuellement, même s'il va mourir rapidement, Guillaume Couillard, qui est son voisin, Guillemette, qui est extrêmement importante, et elle va jouer 2 rôles importants auprès des Amérindiens. Le premier, quand les Kirk arrivent, Champlain est comme propriétaire, on lui a laissé des Amérindiennes qui sont sa propriété à toute fin pratique. Mais les Kirk ne veulent pas qu'ils partent avec. Alors, c'est Marie Rollet qui va accueillir Espérance et Charité. Parce que la troisième fois, ça a pris le camp. Et elle va en prendre soin, elle va les former, elle va les préparer. Et on dit même qu'elle les préparera à être aidée par les Ursulines 10 ans plus tard. Et donc, ce rôle... Marie Rollet va jouer un rôle important auprès des Amérindiens. Elle va souvent être marraine d'Amérindiens. Et puis, elle va jouer un autre rôle très particulier. Juste là-dessus, est-ce qu'elle va donc collaborer avec l'œuvre des Ursulines? Elle aura déjà 55 ans passés. Elle est décédée en 1649. Les Ursulines sont arrivées en 1639. Et les liens vont se faire un peu plus avec les Augustines, avec les Augustines de l'Hôtel-Dieu. Parce que ce sont des terres contiguës. Et même qu'au tout début, là, les Augustines devaient avoir 12 arpents de terre, puis l'arpenteur ne leur en donne que 7,5, parce qu'il est bien probable que c'est encore des terres de Louis Hébert, Marie Rollet qui sont à eux. Et plus tard, on le verra même, Guillemette, là, 20 ans plus tard, va donner aux Augustines une part de terre pour créer le cimetière des pauvres, qui a existé jusque dans les années 1850. C'était ça. Mais vous disiez donc. Une autre chose qui est liée aussi à tout ce contexte-là, les Britanniques sont arrivés avec un esclave, un petit noir,
qui était esclave. Et ils l'ont vendu au chef de la compagnie de la colonie. Et le chef de la compagnie de la colonie a décidé qu'il retournait en Europe. Alors, qui a récupéré Olivier? Évidemment, Marie Rollet et Guillemette Hébert, qui était un esclave au départ et noir. Alors, ils l'ont récupéré. Et on raconte, évidemment, que... On a dit, il faut te rendre pareil comme les autres enfants. Mmh. Alors, et donc, tu vas être baptisé. Et c'est sûr que, bon, le jésuite raconte ça, là, que... Mmh. Il a cru qu'il serait blanchi comme les autres. Ah oui. Et là, ben, c'est, quand on lui a bien expliqué que c'est juste son âme qui serait blanchie, ben, il a ri et s'est amusé avec tous les autres. Puis, Jacques Mathieu, l'heure de la conclusion arrive. Oh. L'héritage de Louis Hébert et de Marie Rollet, quel serait cet héritage? Qu'est-ce qui a compté? Qu'est-ce qui a été le plus important? L'héritage, pour moi, là, puis c'est ça qui m'a beaucoup motivé dans cette recherche-là, c'est le message laissé aux jeunes. Ne vous laissez pas abattre par un échec. Hein, pensons-y. Louis Hébert, à sa première tentative d'établissement, après des années d'études, sérieuses, ça ne fonctionne pas, ça paraît être un échec. Et pourtant, quand on regarde après coup, qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Je pense qu'il faut le dire aux jeunes. Il ne faut pas se laisser décourager. Il faut, avec ténacité, persévérance, travailler à mettre en valeur les qualités qu'on a. Ça, je pense que c'est le plus grand message qu'il a. L'autre, évidemment, l'altérité plutôt que l'adversité. Comment ils ont été prêts des Amérindiens, comment tout ça les a aidés, les a encouragés. Et dans cette perspective-là, ça a été presque signalé dans le discours d'ouverture. L'importance de la culture, l'importance de la connaissance et de la connaissance historique, l'effet à court, moyen et long terme, c'est l'harmonisation personnelle et l'harmonisation sociale. Mmh. Moi, je pense qu'un des messages qu'il nous laisse, c'est ça. Trouver les moyens et les richesses en nous et en accord avec les autres, à harmoniser, à donner de qualité de vie, à répandre la qualité de vie autour de nous. Bien, Jacques Mathieu, merci beaucoup pour cette conclusion. Merci C'était beaucoup grand d'avoir plaisir. Accepté notre invitation. Alors, si vous voulez en connaître davantage, il faut absolument lire le livre qu'il a fait paraître aux éditions du Septentrion avec la collaboration d'Alain Asselin, « La vie méconnue » de Louis Hébert et Marie Rollet. C'est un ouvrage qui se veut d'ailleurs grand public, mais qui est évidemment fondé sur toutes les recherches en archives. Il y a d'ailleurs des pièces d'archives qui sont reproduites dans le livre. Donc, merci beaucoup et à une prochaine.